Je suis médecin, praticien hospitalier. Voilà, je travaille dans un centre hospitalier général. C'est tout. La thématique était intéressante et je pense que vraiment on a beaucoup de soucis à se faire sur la santé, la prise en charge des gens et la place de la santé dans la société, parce que la santé maintenant c'est simplement une machine à sous et ça ne marchera pas, parce que la santé c'est pas possible d'être réduit à une simple activité financière qu'il faut rendre rentable. Sur l'hôpital, moi je dis que la situation est vraiment va être dramatique. Les gens pensent que ça va être le monde, toujours le monde d'avant. Non, non, ça va pas être le monde d'avant, que vraiment l'hôpital ne va plus être, avec les réformes qu'il a subies, l'hôpital qu'il a été. Et que là, on a, pour l'histoire par exemple du Covid, on a tenu, mais là on craque. Et s'il y a une quatrième vague, ça va être très difficile que les soignants l'assument, même si c'est leur, leur devoir et leur profession. Ça va être difficile parce qu'on a tiré sur la corde, on n'a pas réemployé d'infirmiers, d'aides-soignantes en suffisamment. Il y a des services entiers qui sont fermés par manque de médecins ou d'infirmières cet été ou d'aides-soignantes. En plus, il y a des politiques de fermeture de lits qui se poursuivent. Les gens sont dégoûtés de travailler à l'hôpital. Il y en a beaucoup qui partent. L'hôpital ne va plus être assis sur un socle suffisamment sécurisé pour pouvoir donner des soins de qualité à tout le monde. Vous êtes bien placés pour le savoir. Mais on ne connaissait pas cette maladie. On n'avait pas de certitude. Quand on n'a pas de certitude en médecine, on garde les gens en observation pendant 24-48 heures. Moi, je travaille dans une des régions les plus touchées. D'abord, le premier hôpital touché par le Covid en France, avec les deux premiers cas autochtones, et une des régions les plus affectées avec l'Île-de-France. Sincèrement, on a renvoyé des gens chez eux parce qu'ils semblaient aller bien. Ils revenaient une deuxième fois. On les renvoyait chez eux parce qu'ils semblaient aller bien. On ne connaissait pas bien la maladie, on ne savait pas que c'est... En fait, ils ne supportaient pas l'effort et qu'ils pouvaient vriller comme ça en 2-3 heures. Et il y a des gens qui sont décédés chez eux. Ça, on ne l'a jamais dit. Il y a des gens qui sont décédés chez eux parce qu'on n'a pas pu les garder en hospitalisation, en surveillance. Le nombre de décès à domicile en 2020, on ne sait pas encore. Enfin, moi, je n'ai pas connaissance de chiffres. Mais je serais très intéressée de les savoir. Donc ça, c'est la conséquence de la politique de fermeture de lits sur 10 ans, 100 000 lits fermés. 100 000 lits fermés. C'est-à-dire qu'aucun lit ne doit rester libre. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un, il faut rentabiliser. La santé, ce n'est pas fait pour être rentable. Manifestement, il y a un manque de le système actuel, tarifaire à l'hôpital, mais aussi pour les médecins de ville, est telle qu'il n'y a pas assez de temps consacré à la communication avec les gens. Donc il y a un manque de communication verbale, mais pas seulement verbale. Ce que je vois aussi, c'est un manque de communication physique. Dans le sens où maintenant, moi j'ai des patients, et ça n'arrivait pas, c'est je suis médecin spécialiste, voilà, je vais pour les examiner, et il y en a certains qui me disent « mais qu'est-ce que vous faites ?»« Ben, je vous examine. » Ben non, ils ne sont plus examinés, certains, quand ils vont chez le médecin. Et ça, c'est perdre le sens de son métier. Alors, je ne les blâme pas, ils ont peut-être énormément de patients. D'abord, tout le monde ne fait pas ça, hein. Tous les médecins ne font pas ça. Mais ceux qui font ça, peut-être qu'ils sont désabusés ou bien qu'ils ont trop de patients, mais n'empêche que là, il y a une dimension humaine, que ce soit dans la communication, non seulement verbale, mais aussi physique, qui est en train de se perdre. Et nous, on n'est pas seulement là pour faire des ordonnances de médicaments qui font marcher l'industrie pharmaceutique. On ne va pas mettre les gens dans une cabine pour quelqu'un qui prenne toutes les constantes et puis point barre. On essaye de nous faire, de nous vendre les outils digitaux actuellement, en parlant de télémédecine, téléconsultation, qui peuvent rendre de grands services dans certaines spécialités et dans certaines activités ciblées.
Mais la téléconsultation dont on nous vante les mérites, c'est de la... Excusez-moi, c'est du brin en barre, hein, c'est de la merde en barre. C'est-à-dire que c'est pas de la bonne qualité, en général. On ne peut pas faire ça tout le temps. Ça peut aider dans certaines situations de crise, etc. Mais la téléconsultation, c'est quoi? C'est au téléphone et en visuel, le patient. Donc on a une voix déformée, une vision déformée, et on ne peut pas l'examiner, on ne peut pas le toucher. Il y a toute la communication infraverbale qui n'existe pas, la communication physique, l'odorat, l'ouïe, la palpation. Donc on nous prive de tout ça. Pourquoi? Dans quel but? Pallier les déserts médicaux et aussi faire des économies de personnel. Les gens qui ne viennent plus à l'hôpital, il n'y a plus besoin d'agents d'accueil, il n'y a plus besoin d'infirmières, il n'y a plus besoin d'aides-soignantes, il n'y a plus besoin de secrétaires maintenant, voilà. Donc là, moi je crois que vraiment on va dans un... Déjà, c'est complètement illogique parce qu'un examen clinique, c'est très simple, ça peut vous orienter très vite sur les examens à pratiquer et ça vous permet de faire des demandes ciblées, donc des économies. Le patient, il y a un lien qui s'établit, un lien de confiance, et ça permet de faire de la médecine de qualité avec toute la partie psychologique. Et finalement, si on ne fait que ça, si on se contente de ces soins palliatifs pour la médecine, parce que c'est des soins palliatifs de médecine là, qu'ils nous proposent, ça sera une médecine vraiment de mauvaise qualité et ça coûtera beaucoup plus cher au bout d'un moment. Donc voilà, moi tout ça, ça me fait peur et je comprends le mal-être des jeunes médecins qui ne sont pas du tout en adéquation avec ce qu'on leur apprend, ce que doit être le métier, quoi. C'est pas possible. Au niveau je parle de l'hôpital, hein. Il y a encore des gens qui sont combatifs, voilà, il y en a quelques-uns ici, mais il y a beaucoup de gens désabusés. Et là, ils sont arrivés à ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que les gens viennent, touchent leur paye, ils font leur boulot, hein, mais ils suivent les protocoles, etc. Il n'y a plus de réflexion, de suggestion, voilà, on pointe, on fait notre boulot, on part. Donc il y a un désinvestissement dans son outil de travail et puis l'institution qui était l'hôpital public. Avant, on était fiers d'être à l'hôpital public. Là, les gens ne tirent pas la fierté de travailler à l'hôpital. D'autres choses, mais pas ça. Donc déjà, je trouve que le personnel est très désabusé, très fatigué, démotivé, voilà. Et puis les malades, ils sont dans une attitude de consommation. Il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte et ils pensent sincèrement qu'ils auront toujours les soins qu'ils ont toujours eus. Alors, ils ont été nourris par l'hôpital public, ils ont été baignés dans ça. Ils sont nés, les jeunes qu'on voit là, ils sont nés avec ça. Moi, je suis née avec ça, l'hôpital public qui assurait la permanence des soins, l'accès aux soins pour tous. Nous, on a très peur que ça disparaisse. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Ils sont, je crois, dans une attitude beaucoup de consommation, de consumérisme. Mais on les a placés dans cette attitude-là. La génération de mes parents ne consommait pas autant de soins. Là, on leur fait consommer du soin parce que ça fait marcher toute une industrie. Et il n'y a plus assez d'éducation populaire à la santé pour permettre les premiers gestes barrières. Et alors donc, comme on ne répond plus à leurs demandes, ils sont frustrés. Et la première chose, c'est souvent d'être en colère contre la personne en face. Donc agression physique, verbale, vis-à-vis des soignants, infirmiers ou médecins. À l'hôpital, on voit ça. Ou bien mécontentement, mais ils ne savent pas trop comment nous aider. Voilà, mais au bout d'un moment, nous, on ne pourra pas plus parce que voilà, on a déjà tenu beaucoup et que les gens sont usés à la corde. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer. Et puis il faut voir aussi, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des limites aussi aux soins. Voilà, je veux dire, on ne peut pas... il faut remettre en cause, quand on voit le prix de certains médicaments, il faut demander d'abord si c'est justifié. Ce prix du médicament, si les laboratoires pharmaceutiques peuvent le justifier, s'il est justifiable, s'il est justifié. Et après, c'est s'il doit être prescrit. Et on a eu un témoignage d'un médecin réanimateur par rapport à la mort.
Le dialogue qu'on doit entamer avec les familles, en fait, aussi, on a le problème de société, c'est-à-dire que les gens se pensent invulnérables, la technologie, la médecine, la technologie guérissait tout. Et maintenant, ils se rendent compte que non, avec le Covid, non, ça ne guérit pas tout, on ne peut pas tout guérir tout de suite. Et la mort existe. Et ça, la mort a tellement été effacée de notre société que je pense que ça aussi, c'est un gros, gros problème. Le vécu de la mort, et il faut aussi que les gens se le réapproprient. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que la famille ne vient pas faire, si elle le souhaite, la toilette mortuaire d'un défunt à l'hôpital? Donc il y a beaucoup de choses à repenser sur toutes les facettes. Et nous, on pense déjà notre quotidien, notre outil du travail, manque de moyens matériels humains, mais il y a beaucoup d'autres choses à repenser dans la place de l'hôpital dans la société et l'attitude des gens vis-à-vis de la maladie, de la mort et puis leur éducation à la santé. Enfin, et des choses qui étaient du bon sens populaire, que les gens n'ont plus. Donc je pense que oui, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Beaucoup, beaucoup de choses. Thank you.